Salut à tous, il fait beau, mais il fait froid. Alors, nouveau projet qui vient d'arriver. Encore un T5. Je vais vous le présenter et je vais vous expliquer un petit peu quel avenir on lui réserve. Donc, c'est un T5 phase 2 de 2012. Il a 165 000 km avec le moteur 2 litres BTDI 180 chevaux. Donc, plutôt propre de carrosserie. Il a la particularité d'avoir deux portes latérales. Donc celle que je viens d'ouvrir, et puis il y a une autre porte latérale de l'autre côté. Voilà. Donc niveau aménagement, évidemment, vous vous doutez que ça va changer un petit peu la donne, parce qu'on ne pourra pas mettre de meubles devant cette porte, hein, on ne peut pas condamner d'issue. Donc ce sera fait un petit peu différemment. Et c'est de toute façon un projet un petit peu différent, parce que c'est le camion de mon frère, que vous voyez souvent dans les vidéos avec moi, qui m'aide régulièrement. Et qui a décidé du coup de s'aménager son propre véhicule. Donc le programme du jour et peut-être même bien de la semaine, ça va être principalement une remise en état esthétique. Ce que j'ai décidé de faire, c'est bien sûr tout le vidage de l'intérieur. Donc les cloisons, le plancher, enlever ce siège qui n'est pas du tout homologué. Faire un état des lieux des planchers, parce que je vois quand même que les attaches sont un petit peu rouillées, donc il y a peut-être un peu de rouille sur le plancher, à voir. Démonter cette partie de cloison restante. Faire un nettoyage complet de l'intérieur, et dans un deuxième temps ce sera une remise au propre esthétique extérieur, c'est-à-dire très certainement polish, et quelques petites rayures à enlever, et puis surtout les jantes à refaire. Voilà, donc démontage terminé, plancher, cloison, etc. On a quelques petits points de rouille, mais c'est vraiment de surface, donc on va tout gratter et puis traiter. Même chose pour les deux ici supports qui servent à maintenir, entre guillemets, hein, le siège qui avait été installé. Bon, c'est un peu rouillé, mais ça, ce sera au final sous le plancher dans l'isolant, donc on va même pas s'embêter à les disquer, on va les laisser en place. Donc voilà, ensuite, ben, nettoyage de partout. Le plafond et tout, c'est propre, les cloisons aussi. Donc nettoyage partout, on finit de passer un bon coup de propre au sol, et puis on va traiter la petite rouille de surface. Bon, après un petit coup de propre, j'ai commencé le décapage des jantes, un petit coup de polish un peu partout, histoire de rendre ça un peu plus propre. Je vais passer à l'isolation du sol, comme les véhicules précédents, des tasseaux de 20 mm, de l'isolant du polystyrène extrudé, également de 20 mm. On va recouvrir la surface du plancher, puis on recouvrira avec le plancher en bois qui était à l'intérieur initialement. Côté sol, c'est quasi terminé. Il va nous rester le remplissage de ces petits trous là à droite à gauche. On mettra aussi peut-être un petit tasseau le long des passages de roues. Mais l'essentiel est fait. Ça y est, le démontage est complètement terminé jusqu'à la casquette qui est au-dessus des places avant. Le sol est isolé, on a reposé le plancher d'origine, pour l'instant pas fixé parce qu'il nous servira de gabarit pour couper le sol plastique, la finition.
Et puis du coup, je vais attaquer tout ce qui est isolation des parois, donc murs et plafonds, alarme à flex, 19 mm. Et puis je vais commencer par le dessus des places avant pour pouvoir remonter assez rapidement la casquette qui se trouve au-dessus, parce que c'est un véhicule qui est quand même voué à rouler le temps de son aménagement. Donc ce sera plus confortable d'avoir la casquette de posée et puis tout l'habillage intérieur en place. Ensuite, avec un bon coup de polish et un peu de peinture sur les jantes. Après quelques heures de travail, tout ce qui est Armaflex est quasi terminé. Donc on a mis du 19 mm sur les parois et au plafond. On est en train de terminer de les mettre dans les creux. Et on reposera du 6 mm sur les passages de roues et puis dans tous les petits coins où c'est dur de mettre plus épais. Après l'isolation, on a bien avancé sur la moquette. Donc, tous les panneaux ont été moquettés, puis on les pose un par un, en prenant soin de bien recouvrir de moquette toutes les petites tôles qui pourraient être toujours apparentes. Par exemple, les tôles autour du coffre, partout et en haut. Les tôles qui vont se trouver entre le plafond et les cloisons, qui restaient un petit peu visibles ici au-dessus du passage de roue qu'on a isolé aussi. Ça dans le but de couper tous les ponts thermiques, puis d'offrir un peu de confort thermique, et puis aussi la gueule. Fin de journée productive, donc isolation terminée, moquette terminée, toutes les cloisons déjà moquettées sont reposées. On n'a volontairement pas isolé ça parce qu'il y aura une fenêtre dessus, pareil sur la porte d'en face, et on n'a volontairement pas isolé ça parce qu'il y aura un lanterneau sur le toit.